prière, cette semaine qui nous vit traverser. Moi, je dis à cette semaine-là, c'est une semaine de victoire pour le peuple de Dieu ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, dans le jeûne de la prière, tu seras un bébé de là, les casses qui tombent dans le nom de Jésus. La scène cassée dans le jeûne de la prière. Malade guéri dans le jeûne de la prière. La délivrance est opérée dans le jeûne de la prière. Amen. Parce qu'il nous peut servir un bon Dieu tout-puissant. Amen. Ce matin, ce Dieu qui nous peut servir, ce n'est pas un Dieu qui est mort pour une religion, il n'est pas mort seulement pour quelques-uns, mais la Bible est claire, noir sur blanc, ça Jésus-Christ-là fait mort pour toutes les nations. Amen. Quand nous sommes qui communauté, qui religion, qui tradition nous tiendait, Jésus-Christ, tel comme nous jeter, il condamne nous, il pardonne nous, et il fait nous vivre sauver nos enfants. Et ce matin, nous venons pour donner sur la gloire, pour donner sur l'honneur, nous venons pour glorifier lui ce matin, parce qu'il est plus grand qu'il est, paix à personne. Amen. Ni la religion qui appartient à nous, ni un idole qui appartient à nous, un statue qui appartient à nous. Mais au contraire, il y a quelqu'un qui est tout puissant, qui est vivant, qui est assis à la droite du Père. Son nom est Jésus. Et je m'acclame ça de vous dans ce matin. Parce qu'il mérite glorifié ce matin. Merci notre Dieu. Et ce matin, nous tournons la parole de Dieu. Ce matin, nous verrons la Bible dans l'évangile de Luc. Aussi, nous prépare pour ouvrir dans l'épître de Jacques. L'évangile de Luc, chapitre 9. L'évangile de Luc, le chapitre 9, le verset 54. Jacques, chapitre 3, verset 9. Nous verrons dans l'évangile de Luc avant. Merci Seigneur, hallelujah. L'évangile de Luc, nous vous lirons après, nous mettons le titre de message qui prenons ce matin. Et ce matin, c'est un jeûne de prière et délivrance ce matin. Amen. Un jeûne de prière et délivrance. Ce matin, quand je vous venez, dans cette onction d'huile, l'imposition de main, nous connaissons donc qui but nous peut venir et nous connaissons qui saute pour passer dans la vie au nom de Jésus-Christ. Luc 9, 54. L'évangile de Luc, le chapitre 9, nous pouvons aller en partir du verset 51. 51 à 55, à 56. Nous voulions être complète pour nous comprendre ce qui nous pouvait dire ce matin. On commence la lecture. Lorsqu'approchait le jour où il devait être enlevé du monde, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem et envoya devant lui des messagers. Ils se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains afin de faire des préparations pour lui. Mais on ne le reçut pas parce qu'ils se dirigèrent vers Jérusalem. À cette vue, le disciple Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de le consumer ?» Il se tourna vers eux et le reprit sévèrement en disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Quand le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour sauver. Et ils allèrent dans un autre village. Nous relisons le verset 54. À cette vue, le disciple Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel ?»
et de le consumer. Verset 55, Jésus, il se tourna vers eux et le reprit sévèrement en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Épître de Jacques, le chapitre 3, le verset 9. Nous pourrions lire à partir du verset 8 et verset 9. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Le verset 9, Loki nous parle ce matin, et aussi nous parle le verset 54-55 dans l'évangile de Luc. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Laisse-nous couvrir la tête, nous bénis Dieu pour sa parole. Papa, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous bénis toi pour ta sainte écriture qui est la parole, Seigneur. Papa, vous bénis-toi dans le nom de Jésus-Christ. Vous louez-toi, notre Dieu. Vous glorifiez, vous adore-toi, notre Dieu. Ce matin, vous exaltez-toi. Et dans le nom de Jésus, vous prenez l'autorité, Seigneur. Vous priez tout par puissance des ténèbres, par puissance de contre-attaque, par puissance de l'interdiction qui vous fait la guerre dans le monde spirituel contre parole. Vous priez, vous chassez par puissance-là et vous êtes pris dans l'abîme. Seigneur, vous réclame le sang de Jésus-Christ. De parole, de peuple, l'on nous les guère, Seigneur Dieu, afin de conduire par la puissance du Saint-Esprit, vous prêche de parole, Papa, dans toute la liberté, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, notre Dieu. Alléluia. Merci, Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Et maintenant, le gardien nous place, nous écoutez très attentivement le verset 55 dans Luc 9. Luc 9, 55. 54, 55. À cette vue, le disciple, Jacques et Jean, c'est le disciple qui était avec Jésus, il dit à Seigneur, tenez nous faire gifler, descendre jusqu'à le ciel, les consumes autres, Seigneur. Et Jésus tourna vers eux et les reprit sévèrement, bien sévèrement, les prend autres, les dit à autres, est-ce qu'ils connaissent de qui l'esprit se ranime? Que je peux dire ce que je peux dire là. Et dans Jacques 3, 9, il veut dire avec ça la bouche la même nous bénit, et que ça la bouche la même nous maudit l'homme qui crée à l'image de Dieu. Et le titre de ce message ce matin nous vous parle sur la prière de l'âme. Amen. Sur la prière de l'âme. Amen. Et nous allons dire à qui point. Ça, la langue là, les dangereux. Et nous pouvons guetter qui qualité fracas en la langue les faire. Et quand nous finissons, guetter la prière de l'âme, et nous vous disons aussi que c'est la prière de l'âme, c'est quoi? Qui était la prière de l'âme? Plusieurs fois, nous entendons dire, et finir la prière de l'âme. Et briser, casser, moi-même, m'habituer à faire ça, parce qu'il nous connaît quand la paix de l'âme est lancée dans le monde spirituel, nous trouver qui m'a qui chose lui faire. Et nous parler le symptôme de la prière de l'âme après. Qui symptôme maintenant qu'un démon y attaqué dans la prière de l'âme? Comment vous connaissez dans la prière de l'âme une faire contre vous? Et comment arriver si un démon lui fait la prière de l'âme contre son procès? Mais la prière de l'âme, premièrement, lui interdit pour un chrétien faire la prière de l'âme. Il est interdit. Tout à l'heure, je vais vous expliquer qui fait. Nous pouvons guetter le symptôme de la prière de l'âme. La prière de l'âme est un doux symptôme. Il a mené, lui montrer qu'un démon a tête à la prière de l'âme. Il y a 12 symptômes de la prière de l'âme. Beaucoup de chrétiens, parfois, ils ne connaissent pas quand ils viennent attaquer dans la prière de l'âme.
Parfois, les capables frères, vous pouvez boire comprimé, vous pouvez boire panadol, vous pouvez boire paracétamol, tout le monde qui est dans l'invoie même. Frère, vous connaissez tel problème, vous citez à la bouche, tel problème, frère, vous l'avez même, il vit la même, frère. Vous ne pouvez pas bien, frère, vous ne pouvez pas guérir, vous ne pouvez pas sentir moi ceci, c'est là. Moi, vous donnez un indice pour le moment. Ça a un dessert à Daniel et vous pensez. Donc, ce matin, je vous parle sur la prière de l'âme. La prière de l'âme, c'est quoi? Qu'est-ce que la prière de l'âme? Premièrement. Deuxièmement, c'est que est la prière de l'âme, carrément, bon Dieu n'a pas ni écouté, ni exaucé la prière de l'âme. Parce qu'il fait en la prière de l'âme, l'y faire avec vengeance. Vous voulez prendre la prière de l'âme, Master? Dis-moi faire la prière de l'âme. La prière de l'âme, c'est dans la prière, il vient venger. Je vous dis quand il venge. Il vient venger. Et quand il vient venger, il vient avec une intention charnelle. Parce qu'il fait. Dieu lui dit dans sa parole, il dit, à moi la vengeance et la rétribution. À moi la vengeance. Mais parfois, l'homme, il prend la loi, bon Dieu, il refait la loi, bon Dieu, lui-même refait la loi. Lui-même refait la condamnation, recondamné, lui-même refait la justice. C'est pour cela que la Bible dit clairement, il dit, Dieu pour dire à moi la vengeance. C'est pour cela qu'il a dit dire, priez pour ton ennemi, contre ton ennemi. Si ton ennemi fait, donne-lui à manger. Donne ton ennemi à manger. Qu'il ne fait, il ne pas le faire. Dieu dit à moi la vengeance, pas toi. Et beaucoup de personnes lui prennent la vengeance dans son lamet. Pour faire la justice lui-même. Parce qu'il fait, parce qu'il vit souffrir. Il vit souffrir dans son avis. Je vais expliquer comment Jimoun a fait la prière de l'âme. Qui était la prière de l'âme? La prière de l'âme, c'est la prière de vengeance. Il a vengé. Il a vengé lui-même. Parce qu'il fait, il vit subir le coup dans son avis. Ça même la Bible pour dire, dans Romains 12, 18, il pour dire, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Soyez en paix. Tant qu'il est capable, quand tu es capable, reste en paix, fais la paix. Amen. Fais la paix. Pas faire vengeance, œil pour œil, dent pour dent, rancune pour rancune. Non. Parfois, beaucoup de chrétiens. Y arriver, parce qu'il y a beaucoup de cas, quand on a constaté, nous guettons, un chrétien qui passe par une situation, nous vous causez l'autre situation tout à l'heure, qui est extrêmement douloureux, inoubliable, lui vraiment qui a une grande cicatrice, où tout le là, chrétien même, lui met sous les genoux en bas, Dieu, vous connaissez, mon prier, mon Dieu, mon Mon fils prier, mon prendre ça qui là, mon mettre dans la maison de Dieu, mon faire ça, mon prier pour Dieu faire ni comme ça, Dieu faire ni comme ça, Dieu, et là Dieu punit lui, Dieu pour montrer lui, et là faire, Dieu comme ça, craque les gants pour montrer lui, qui appelle moi. Mais ça, la prière, jamais bon Dieu, mais ça, et la prière de vengeance, jamais bon Dieu pour exaucer. Parce que bon Dieu, par exemple, tout a été la prière. C'est la prière qui bon Dieu prend plaisir. De Deutéronome 7, 14. Ça, le vrai, la prière qui bon Dieu prend plaisir. L'idée, mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'il est humilié. Amen. Ça, la prière bon Dieu prend. Elle, la prière côté de l'humilité. Elle, la prière côté de la soumission. Elle a prié côté dans le pardon. Elle a prié côté dans la réconciliation avec l'ennemi. Ça, bon Dieu, ouvert sur les guerres, il y a que de la prière dans le plateau de sur les guerres.
Mais elle la prière qui a le vengé, jamais bon Dieu prend plaisir, ni lui donner, ni lui peut me saucer. Et quand la prière a monté, et quand la prière vengeance a monté, Dieu ne peut prendre la prière. Dès qu'il a tout la prière vengeance monté, bon Dieu lui tourne les deux que ça la prière. Ni assister, ni lui donner, et ni lui exauce la prière là. Maintenant, quand Dieu lui tourne les deux que ça la prière là, et dans l'autre qui costait lui venir, lui ouvert sur les bras pour accueillir ça la prière là. C'est qui ça là? C'est Satan le diable qui prend ça la prière là. Parce qu'il connaît qui fait, il prend la prière là. Parce qu'il donne la prière charnelle ça. Et la prière de vengeance. Et le diable, il finit. Il vient pour venger, il vient pour tuer, il vient pour égorger, il vient pour voler, il vient pour faire tous les mal. Et tout le monde a prié qu'il a le mal pour faire le mal à opposer. C'est lui qui exauce la prière. Amen. Et là, nous chrétiens, sans les discernements, les frères m'ont prié. Qu'est-ce qu'on mangeait tiré, frère? Quel bon Dieu qu'on tire son manger? Non. Jésus prend sa disciple là sévèrement. Jacques et Jean, sévèrement, il pense. Il dit, Seigneur, donne nous faire. J'ai fait des scènes depuis dans les scènes. Consume les autres, Seigneur. Jésus virait les autres. Je me rappelle bien quand on regarde ça verset là. Pour virer, il était avec Jésus, il devant, devant. Maintenant, tu peux aller être suivi. Là, il virait, il était. Vous prenez le contexte, Mauricien, pour se comprendre. Hey! Je connais qu'ils ont dit là. Je connais qu'ils ont dit là. Je connais qu'ils ont dit mon là. Jésus, son mission, c'est venu dans la terre pour condamner. Attention. Son mission pour tuer les pécheurs, lui. Pour condamner les pécheurs. Pour faire pécheurs souffrir. Je peux faire erreur. Je ne pas connais de qui l'esprit de l'animer là. C'est nous qui ça la langue là, prenant les autres papa. Libat comment ils ont envie et connaît qui vous peut causer. Beaucoup de chrétiens parfois pas connaît qui les peut causer. Pas connaît qui les peut dire. Pas connaît qui les peut respecter, qui les peut attendre. Amen, amen, amen. Jésus promena sévèrement. Pourtant, attention, ce n'est pas mon chrétien, mais c'est mon disciple du Seigneur. C'est mon chrétien, c'est pas mon chrétien qui a signé l'eau, c'est l'eau, bon ça. C'est mon disciple qui veut faire mission ensemble avec Jésus-Christ. Quand je dis, et maintenant ma compréhension, quand Dieu dit voici, je vous donne le pouvoir. Mon Dieu, c'est mon disciple là, tu as un pouvoir dans eux. Mon chrétien, Dieu est venu donner le pouvoir, pas dans eux. Je vous ai donné le pouvoir et l'autorité pour mort, ce scopé, etc. Le pouvoir vient de nous. Mais ce n'est pas bien qu'on servit. Amen. C'est l'autorité que Dieu nous donne là. Il donne bien qu'on servit. Amen. L'autorité de nous pour dire devant l'adversaire qui appelle Satan le diable. Amen. Pour faire les locales, faire les petites batailles, faire les petits combats. Fais-lui l'homme nous la vie, fais-lui détache de nous la vie, c'est l'autorité de nous pour servir avec lui. Amen. Mais l'autorité pas de nous pour servir envers nos frères, nos soeurs, pour faire d'autres souffrir avec ça l'autorité là. Il clair ce matin? Comme on a dit Seigneur, donnez, nous fais descendre depuis dans le ciel. C'est ce que j'ai dit. Un autre mot pour prendre compte de ça. Eh, pas de parle là, je connais qui se peut causer. Je connais qui se peut dire là. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens font errer. Parfois, dans ce langage. Qui adresse à Dieu. Amen, amen, amen. Ils connaissent prier, ils connaissent intercéder. Ils connaissent sur la prière montée. Mais quand ils passent dans une circonstance extrêmement brûlante,
extrêmement douloureux qui pas capable de dire ça fait les dimanches. T'as vu ce qu'il y a un tigre là? Ça fait les dimanches, extra dimanches, faire sa famille dimanche, faire ses enfants dimanche. Il saute pour sa tigre là. Il saute pour sa tigre là. Il saute pour sa tigre là. Il a fait ben, la prière charnelle. Parce qu'il fait, il a envie de montrer lui qu'il est payé du mal. Il a envie de montrer lui qu'il est capable de faire plus qu'il est pour faire souffrir. Ça nous appelle œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est bon, nous ne pas appeler pour faire ça. Un chrétien n'est pas appelé jamais dans la vie pour faire un la prière de l'âme contre qui ce soit. Amen. C'est pour cela qu'il vraiment est important dans la vie que chaque chrétien vous expliquer ce matin, parce que la Bible dit tant qu'il est capable de rester en paix avec l'homme, les hommes, tant qu'il est capable de pardonner pendant ce matin, tant qu'il est capable de pardonner, tant qu'il est capable de faire la paix, tant qu'il est capable de content ou l'ennemi, content lui, parce que Dieu prend la paix nous pour juger, pour condamner, ou prend sa pouvoir là, ou prend l'autorité pour juger, pour condamner. C'est Dieu seul qui a sa pouvoir là. Parce que c'est pour ça qu'il y a à moi la vengeance et la rétribution. Amen, amen. Et c'est pour cela qu'il est important. Parfois nous disons, mais nous pouvons expliquer comment un démon est arrivé à faire la prière de l'âme. Et donc c'est pour cela qu'il nous dit, chaque chrétien qu'il a, l'important qui vraiment nous évite pour créer problème. Vous pouvez expliquer ce matin. Évite pour créer problème. Évite pour créer problème en dimanche. Maintenant ce matin. Amen. Évite pour créer un problème avec vos camarades. Amen. Évite pour créer problème avec vos voisins. Amen. Et évite aussi pour créer problème avec ma chrétien qui charnel. Attendez ce matin. Amen, 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 amen. Le chrétien charnel, c'est qui qualité chrétien qui déclare les charnels? C'est le chrétien qui est content, querellé et disputé. Il est content, querellé et disputé. Évite pour créer problème. Évitez. C'est pour cela qu'il nous dit, Dieu fait de nous tout l'organe dans nos l'écho et de nous un écho complet. L'écrit-nous parfait. Attends, ce matin. Oh, donc, c'est pour cela qu'il est important pour éviter ben problème dans nous la vie. Pour éviter ben problème dans nous la vie, tant qu'il est capable, reste en paix avec nos procès. Attends, ce matin. Et c'est pour cela qu'il est important. Chrétien, il a besoin de nous parler clair ce matin. Parce qu'il nous vient dans sa topique, nous parle de sa symptôme. Qui, quand un quelqu'un fait la prière de l'âme, quand on tant sa symptôme-là, peut-être, il a été choqué ce matin. Il a peut-être pu dire, vous connaissez combien de fois on gagne ça, mais on ne connaît pas qui était ça. Et réellement, dans son ignorance, peut-être, il combat, il gagne sa délivrance. Dans son ignorance, mais il n'y a pas connu qu'il attaquait pour la prière de l'âme. Oh, donc, c'est pour cela qu'il est vraiment important, chrétien, évite créer l'ennemi. Qui vient éviter? Créer l'ennemi. À éviter pour créer l'ennemi. Donc, qui est capable de faire l'ami, mais pas l'ennemi. Amen. Donc, qui est capable de créer ami. Reste bien en tout du monde. Et deuxième chose, évite. Et vite parce qu'il nous dit, ça la langue là, l'icône béni, aussi l'icône maudit, l'icône capable d'arranger, mais l'icône aussi est capable de détruire. Les mauvais dangers, ça la langue là. Tellement les chips, papa, votre rapide bloc, les chips, ça va dans là. Papa, tu sais que tu es en Dieu, tu as fait des affaires, mais tu as fait des longs qui sont piqués. Tu as dit mal. Là, si tu as fini de tirer, tu as dit, mais papa, comment c'est mal? Pas capable de contrôler ça. Pas capable de contrôler. Mais pour capable de vivre une vie heureuse,
Elle la vit joyeux. Évite ça la langue là pour faire quelque chose qui n'est pas bien fait. Deuxième chose, évite pour créer la guerre dans une famille. Pour vous expliquer qui fait pédiatre. Évite pour créer, avec ça la langue là, créer la discorde dans la famille. Évitez. Évite aussi une autre chose qui est encore évité, chrétien, les mots qui nous connaissent ce matin. Évite pour contrarier. Contraille aux camarades de Yeshua. Je vous explique au code la paix de l'âme là pour sortir, c'est un peu de voir. Évite pour contraire les autres. Évite pour cause mentir loin du monde qui est innocent. Évite pour cause mentir loin du monde qui est innocent. Évite pour contraire un ouin de l'éternel. Amen, 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 amen. Évite pour cause mal contre un ouin de l'éternel. Évite pour juge un ouin de l'éternel de Yesoléo. Évite pour mettre un ticket, un tasse, loin les dos, un ouin de l'éternel. Amen. Évite pour mettre une fausse accusation, le procès. Maintenant, mon Dieu, qui fait? Quand un démon nous contrarie, nous cause au causé, on crée la guerre dans sa famille, on crée une discorde, on fait famille, enfants séparés. Quand démon là finalement emprunte qui, on fait ça derrière sur les dos, il est blessé. Qui est blessé? Il est blessé. Quand il est blessé, lui sont-ils, il a baissé. Qui fait qu'il a baissé? Parce qu'il dégage sur les dos, on trahit. On te compte la prière de l'âme pour le sortir. On donne les gens, je ne suis pas trop content, on donne. Mais pareil, pas trop content. On les sentit. Il n'a rien. Fais-moi dire à sa frère là, dégage sur les dos, mon cousin ta qui sort, il n'est pas un pasteur là, il est simplement un humain. Amen, amen, amen. Un monsieur. Il faut que tu souviens. Amen, amen. Une personne est là. Moi, je raconte beaucoup de choses qui faussent le lit. Il est capable de mon camarade, il est capable de mon famille, un cousin, un neveu, un tonton, un tantine. Il n'est pas tantine, un tantine. Je vais dire, c'est ça. Un tantine, un nièce, ou capable ou maman. Capable ou grand-mère, les capables ou belle-mère, les capables ou belle-sœur, qui ont gagné en l'équipe entre nous et les ensemble, ou dans cette rancune dans les guerres, ou à trahir ça avec lui. Moi, trahir lui, moi, cause ça causé là avec lui, bien sûr, les deux. Le temps, moi, causé, moi, dire quelque chose qui. Ok, ben, moi, dire quelque chose qui lui pas dire. Moi, j'ai quelque chose qui n'est pas fait. Moi, j'ai quelque chose qui n'a pas fait exister dans son âme. Demain, il y a la prince avec sa quelqu'un là. Et je connais intelligent. Et pas, il s'est dit, où ça, papa? C'est quelque chose qui a le plus fort qui est Internet. On peut pépé, on peut chat même. On peut chat. Ça n'est fini, allez. Goal. Tu veux son goal. Quand c'est là maintenant, il y a la croix de mettre, je te connais. Hé, hey, est-il? Il dit toi que tu as fait des affaires. Ça n'a pas tout ça à dire. Qu'il est senti la blé. Et sont rentrés de douleur. Senti les blé. Blessé au-dedans de lui. Quand on a blessé, il y a senti lui humilié maintenant. Quand il est humilié maintenant, il y a senti lui trahir. Qui a senti lui trahir. Maintenant, quand je dis trahir, il commence à être ranimé par un esprit de colère. Qui est rentré là? Colère. Qu'est-ce que vous envie? Naturel, la nature. Naturel. Dans la chair, ça. Nous tournons dans l'esprit, dans la pensée, dans nos oreilles. Hé, ça veut dire! Et là, vous criez comme ça. Mais là, pourquoi vous avez le silence? Et vous mangez au courant, non? Mais on a la colère commencée. Quand la colère vient commencer, l'animosité, les vinaines rancunaires.
ça reste dans son équerre, à soi, les jours, à soi, les jours. Il n'est pas capable de briller, il n'est pas capable de dire ça. Ça qui qu'elle l'aime dire ça, il ne faut pas penser pour faire ça. Il ne faut pas penser pour dire ça. J'ai un bon camarade en moi, j'ai un bon cousin en moi, j'ai une bonne cousine en moi, j'ai un bon enfant, dis-moi moi. Jamais ne faut penser pour faire ça, pour faire ça. Le reste, on a dit, si tu dis ça, si tu fais ici, tu pourrais être tranquille, mais je ne vais pas faire moi innocent. Moi, innocent, il y a une plainte sur l'innocence, ça c'est. Ça pour manger à son lisou, la colère pour rentrer dans son équerre. Quand la colère lui rentrait, rancune, il commence à donner sa rancune là dans son équerre. Et quand Saint commence à rentrer dans son équerre, maintenant qu'il va le faire, va. Pensez. Il ne faut pas le contre la guerre. Et là, tu ne peux pas le faire physiquement. En disant la peau, tu as maltraité. Il ne faut pas le clair, il faut parler ce matin. C'est pour nous rentrer là-dedans. Il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas mettre la raison, pas dire la vérité. Mais il y a l'autre, non. L'autre tellement ça fait bouleverser, bouleverser, bouleverser. Il prend la situation en main. Il prend la loi en main. Il a le prendre ce que Dieu t'a besoin de faire, il a le prendre dans son la main. Dieu dit à moi la vengeance, la rétribution, lui maintenant il a avancé. Parce que ça, l'esprit là, l'esprit de vengeance là, il rentre dans son équerre. Quand l'esprit de vengeance rentre dans son équerre, les mêmes sont tirés sur les guerres fut blessé. Maintenant, il rentre dans la prière pour les faire consacrer. Dès qu'il commence à dresser sur la prière, contre sa djimoun là, dès qu'il attaque, il met la prière de l'âme. Dès qu'il commence à dire, Seigneur, sa djimoun là, fin blesse-moi, Seigneur. Seigneur, vous priez qu'il ici, il souffre 10 fois plus que moi. Seigneur, tu viens me montrer, Seigneur. Seigneur, ses enfants, ils ont payé ça. Pas d'histoire, père, racontez là, s'il vous plaît. Là, hein? Oui, oui. Pas d'histoire, ça, hein? Non, non. Vous devez appeler la prière de l'âme. Seigneur, montrez, Seigneur, vous avez oublié de payer la conséquence. Vous avez oublié de subir ce qu'il fait. Dès qu'il fait ça, la prière là, il vient de la prière de l'âme. Et ça, la prière là, il commence à monter. Dieu tourne les deux en saillant. Parce que Dieu pas n'appelle ses enfants. Œil pour œil, dent pour dent. Dieu pas n'appelle nous pour prendre la situation en main pour nous venger. Dieu pas n'appelle nous ça. C'est pour ça qu'il dit, si ton ennemi fait faire, donne-lui à moi. Donne-lui manger, papa. Allez. C'est lui dit avant que le soleil a le couché, qu'il te capable de réconcilier-toi avant que le soleil a le couché. Amen, amen, amen. Puis, tout ça là, qui fait juste pour ne pas créer l'ennemi. Elles ont dit, je peux vivre dans le monde. Comment la Bible dit dans Dimoun, comment pour venir dans les derniers temps? Comment Dimoun pour vraiment, les pour sans pitié, fanfaron, etc. Dimoun, les pour sans pitié dans les derniers temps. Et j'ai dit pour dire quelque chose. Mon travail dans l'environnement, dans une place qui nous trouve ça beaucoup, hier, tu peux porter à ça, tu peux le travail. Et dans un code, voilà, tu peux faire ce travail dans plein de maillons. C'est flamme, c'est flamme. Mais comment vous pouvez me dire? Donc, il y a son soulier. Et d'accompagner votre travail beaucoup, ça va une chaîne là, à nos jours. Fréquente sa bonne personne là, tape sa bonne là. Qui fait? Parce qu'il y a une pression de travail, etc. etc. Ben là, elle fait une méchanceté. C'est incroyable. Ben là, elle fait une méchanceté contre son bon superviseur, son bon chef. C'est comme on dit ça, ça livre de Timothée là, quand il dit dans les temps, tu veux comment pour aider? Moi, je dis, Seigneur, il avait fait ça. Si vous pouvez bien mauvais, et vous êtes déjà mauvais. Imaginez-nous pour faire, juste pour nous faire un travail qui peut payer. Si vous pensez que ça va nous gêner, vous êtes trop fatigué. Je dis, oh, ben, chef là, trop mettant, nous, trop belle discipline, trop belle pression. Ben, là, tape la peau sans soulier. Et vraiment, quand vous êtes ça déroulé là-bas, ben, là, venez causer dedans, mais moi, ça, vous m'écoutez.
Jay, je ne peux pas boiter la vérité. Quand le bureau, je ne peux pas soulier, je ne peux pas me soulier. Est-ce qu'à l'imaginer, demain, on va faire l'ennemi, on va faire un tissot de mal à cause de la langue, on va rater une personne là. Lui, maintenant, il va prier supposé, il va prier chaud, mon Dieu. Qui lui peut dire, ah bon Dieu, God soit la minipier bien, bon Dieu, God est en bonne santé, ça lui peut dire. Si chrétien même peut arriver à faire la prière de l'âme, ça va l'âme rester tranquille? Non. Attends-tu ce matin? Non. Il faut te écouter ce matin, je vais dire. Et surtout, un point spécial, mon padre, va jeune ce matin. Heureusement, dans cette église, nous payons en ligne. Dieu merci et vous priez qu'ils amènent ces prières. Amen, amen, amen. Vous pouvez expliquer qu'il a fait pour retirer cela. Quand vous préparez Dieu, c'est mal. Mettez ça bien dans le monde. Beaucoup d'autres dans le jeune, que ce soit les filles, les garçons, elles comptent un garçon ou comptent une petite fille, et surtout si vous êtes chrétien, faites bien attention. Tout chrétien, elles comptent un garçon qui n'est pas converti. Une petite fille chrétienne, elle compte en lit pour un moment, vient virer un petit vide en lit, elle guette un petit peu, elle visite un nouveau jardin, fait plein de zones du prêtre là, hein, elle a un petit guette un jardin là, vient guette un frère là, tout ça, vient un frère, tout ça là, hein, après c'est un temps où tout petit fille là, licence partenaire. Écoute bien qui vous dit ce matin, ma chaîne. Parce qu'il y a ma chaîne qui est courrier. Fini qu'il est cogné. Il est bon pour avertir ce matin. J'averti? Oui. J'averti. Sans partenaire, elle compte un autre aster. C'est aster, vous connaissez frère, c'est un aster, bon Dieu de moi. C'est un chrétien, ça. Je vais raconter quelque chose, un feu qui est arrivé, ça ne m'en parle. C'est un chrétien, ça n'est pas. C'est l'autre qui quelqu'un virait. On a le visite dans les fleurs. On a le visite dans les pommes d'amour. On a le visite dans les cocombes. Joli cocombes. On a le guetté. Tout ça, j'en ai l'air fini viré. On a assis auprès du courant d'eau. On met tout la main dans le kilo. Je vais aider ensemble. Acheter tellement, on a mis trop mouillé. Il a dit l'acheter, on a bien fait la messe. Sans partenaire. C'est un qui appelle, vous voyez qui appelle. Jouer avec sentiment du monde. Le temps de jouer avec ce sentiment ou jouer avec l'émotion, ça qui qu'elle a l'île compte en haut, mais où on a joué avec l'émotion. Le temps quitte lui ou elle prend l'autre, ça qui qu'elle a pas pour tout. Parce qu'on joue avec l'émotion et ce sentiment. Il est blessé, il est souffert. Dans son souffrance, dans son blessure, il y a un païen tout la peau de souvent l'église quand il a tous son idole il va le taper. Toute qualité la prière il va le faire. Toute qualité invocation il va le faire. C'est juste pour montrer où il est pour faire lui. Et le petit chose vous dire où. Dis même que quand on quitte lui-même la condamne, même un autre qui quitte ou elle moyé. Jamais dans le mariage, la vie mariale, vous restez heureux dans la vie mariale. Tout le temps qu'on a problème dans la mariage. Parce qu'il va vous tout ça. Et comment ce matin l'église? C'est pour cela que j'aime qu'il dit bien autant. Avant qu'il décide un petit chose pour ouvrir ou l'équerre, dès qu'il se fait. Premièrement, réfléchissez toi. Et deuxième petit chose, quand finir de réfléchir, on contacte mon Dieu. Amen. Avant qu'on décide de contacter mon Dieu. Pour plutôt, on n'a pas amené la vie martyrisée dans la vie. C'est pour cela que nous guettons la parole de Dieu. Quand il vous dit dans Esaïe 54, vous pouvez déverser, mais écoutez ce matin. Esaïe 54, je vous dis dire, tout homme forgé contre moi sera sans. Et tout l'homme qui s'élèvera en justice contre toi, tu l'as con? Sa verset là, il est vivant, ça. Pas tant de gens? Mais nous, quand sa verset là, peine, n'y a pas de maman.
Nous sommes dans le livre des Proverbes. Proverbe 26, 2, il dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Malédiction sans cause. Sur sa bouche là. Proverbe 26, 2. Malédiction sans cause, pas pour n'a l'effet au moins. Mais une malédiction qui est une cause. Vous avez posé question? Va nous dire, Esaïe frère, Esaïe 54, 17, il a tous opposé contre moi, sera sans l'effet. Oui! Oui, il est sans l'effet. Sans l'effet, c'est lui qui mord dans la droiture, dans la justice. Non, il n'est pas capable de cela. C'est qui mord droit dans mon Dieu, non, il n'est pas capable de cela. Amen. Mais si tu le fais, ben, qui saute, tu le blesses ton prochain. Tu as trahi ton prochain, tu as condamné ton prochain, tu fais dito ton prochain, tu casses la cage ton prochain, tu casses foyer ton prochain, tu détruis la famille ton prochain, mais connais un bal. Il y a une logique là-dedans. Il y a une logique là-dedans. Ça veut dire beaucoup de gens qui connaissent dans son avis. Les là, tes frères, viens prier pour moi, frère. Viens prier pour un tel tel problème, tel tel problème. Et t'as fouillé, 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 fouillé. Et t'as le de racine. Les là, emprunt. Pour ton chrétien, va faire pour Dieu ce matin, mon Dieu. Noir sur blanc et fort. Pour ton chrétien. Chrétien a créé des autres d'une femme. Chrétien a créé discussion dans la casse. Chrétien, il fait séparation dans la case. Par qui? La lame. C'est nous dire, avant qu'il voit rentrer dans et 27 eaux, un chrétien, il besoin de connaître qui il peut causer. Amen. Parce qu'il sait qu'il peut causer à ce là. S'il n'est pas bon, il vient pour tout même ça. Ce que vous pouvez causer, vous pouvez raconter dans les autres, vous pouvez causer telle affaire, ça même vous pouvez venir pour tout. Vous venez dans la vérité, la lumière. Et dit, tout qui sort qui est dans la ténèbre, vous venez à la lumière, et vous venez dans la lumière. Ça. La vie de la lumière, vous pouvez souffrir. Qui fait pas souffrir? Parce qu'il a mal servi au la langue. Ou la langue même pas le condamner. C'est un qui nous dit, tant qu'il est capable, le chrétien de cette église reste en paix avec le prochain. Amen. Tant qu'il est capable, reste en paix. Quand il est capable, il saute tous les deux. On va nous dire, j'ai aidé, laisse aller. Laisse aller. Amen. Donne-les gagner. Accepte tes perdus. N'a pas pour la justice dans la main. Pas faire la justice. Vous ne pouvez pas l'appeler pour faire la justice. La Bible dit, Dieu vous dit, à moi, la vengeance et la rétribution. Amen. Laisse Dieu prendre ça dans son âme. Et n'a pas dit, bon Dieu, si fais ça, fais ça, fais ça. Fait... Non, on n'a pas dit, bon Dieu, l'autre jour. Où va prier, Seigneur, tous sur les guerres, sans sur les guerres. Seigneur, sans ou par son défense. Seigneur, comment te créer moi, te créer ni pas. Seigneur, autrefois, moi-même, me rappelle. Moi-même, moi, tu commences à lire, Seigneur, te sens en oiseau, dit. Seigneur, sans le procès. Seigneur, sans mon ennemi. Seigneur, délivrez mon ennemi. Seigneur, pardonne mon ennemi, ce qu'il fait. Même tu peux souffrir, même d'une vie à tomber là-haut. L'État pas fait une vie à tomber là-haut. Mais si tu t'attends dans l'humilité, dans la solution, te faire la prière qui Dieu prend plaisir. Bon Dieu, redresse toute la situation. Amen. Il redresse toute la situation. Parce que c'est un Dieu qui compte dans son peuple. Bon Dieu n'a pas une vie dans la terre pour faire personne du tout. Amen. Bon Dieu, pas pour qu'on la prière pour punir X, Y, Z. Menti, fausse, ça. Amen, amen. Ça, dans les mondes, nous, tu peux dire ça. Dans les mondes, dans vos religions. Mais tu peux dire, moi, te péter. Vous faites bon, bon Dieu, vous montrez toi. Ça manque pour bon Dieu, lève sur la main de ciment, il est pour montrer. Même bloqué. Qui est pour montrer? Juste dans nos religions, tu causes comme ça. Mais aujourd'hui, nous disons ouverts, aujourd'hui. Pas dans d'autres. Amen. Aujourd'hui, nous nous disons ouverts, nous ne pas capables de faire quelque chose et pas que ça fait. Ça même qui beaucoup les souffert pour la prière de l'âme. Et la prière de l'âme, tous les temps, on connaît pour qui ben y attaquer très souvent, y attaquer.
y a tac ban kiken qui content querelé. Ban qui content discuter, cause beaucoup, la guerre, bric, bras. Tout le temps, ça a un ban qui attaque. Parce qu'il fait, il finit ouvert, elle la porte, il finit ouvert. Deuxième quiquen qui l'a pris de l'âme attaqué, la porte finit ouvert, c'est celui qui c'est lui qui contestait et critique le roi de Dieu. Ça me donne la motivation tout ça. Elle la porte ouvert, ça. Critique ça. Et avec qui? Avec nous là? Nous là, critique ça. La porte là est ouverte. L'état qui qu'un élève passe dans une situation difficile. Innocemment, il ne connaît pas l'ennemi d'après l'élève prier. Il dit, bon Dieu, délivrez-moi. Il ne connaît pas l'attaque de l'ennemi. Il ne connaît pas l'ennemi attaqué. Délivrez-moi. Et donc, Dieu fait sur la justice. Nous gagnons. Troisième petite chose. Et c'est lui qui s'oppose à l'église de Christ. La porte ouverte. Oppose à l'église de Christ, veut dire tout qui seul n'a pas d'accord. Tout ce qui l'église verse, l'église organise, jamais n'est pas d'accord, critiquer. La route là, ça va être facile qui atteint la prière de l'âme. Parce que quand l'église peut attaquer, l'église peut prier, peut intercéder. Dieu répond par répondre. Dieu lui répond dans l'invisible, Dieu lui répond sans qu'il dise quoi que ce soit. Attaque X, non, les peuples, Seigneur, délivre ton peuple, délivre ton église, mais contre l'attaque de l'ennemi, etc. Et donc Dieu réagir. Dis mal. Et les dis mal, c'est celui qui déjà une nouvelle salle qui est là, une nouvelle sur la main. Maintenant, laisse-nous rentrer dans le symptôme qui est dans la prière de l'âme. Et quand nous disons la prière de l'âme, sous conséquence du bien dur. Ça veut nous dire, tant capable éviter. Tant capable faire camarade. Tant capable pardonner. Amen. Tant capable tous les deux aller. Amen. Peut-être que ça vous voilà d'une blessure, d'une offense, d'une abaissure, d'une tristesse, d'une humilié ou accepter, subir sa couleur, garde le silence ou aller. On vient prier pour tirer la tristesse là. Allez prier. Seigneur, pardonne-lui ce qu'il vient faire. Pardonne-lui, Seigneur Dieu, parce qu'il est dans l'ignorance. Il ne pas connaît qu'il vient faire. C'est ça même, nous, les hommes, que Jésus-Christ fait de la croix. Même qu'ils ont humilié, ils ont maltraité, ils ont craché dans son visage. Ils ont parlé mal de lui. Tout était petit, ils ont donné lui. Mais avant de rendre l'idée, il souffre sur la croix. Il dit Dieu sur papa dans le ciel. Père, pardonne-toi, bon Dieu, mon papa. Pardonne-toi. Tu vas bon Dieu, mon ça? Non. Tel comment tu étais, Jésus, Dieu sur papa, pardonne. Pardonne. Parce qu'il n'est pas venu pour détruire. Il n'est pas venu pour détruire les êtres humains. Mais il vient pour sauver les êtres humains. Amen. Donc c'est pour cela. Maintenant, malgré le 12 symptômes qui concernant la prière de l'âme. Et le bon qui chrétien connaît, quand il peut prier, surtout mon intercesseur qu'il a ce matin, quand nous peut prier, nous peut intercéder, nous peut prier pour mon requête, peut prier pour l'église, peut prier pour mon malade, peut prier pour mon dimon qui est en difficulté, mon dimon qui est tombé dans la vie spirituelle, mon dimon rétrogradé. Quand nous sommes tombés, quelque part veut dire que le diable est venu, il compte qu'aucun autre finalise ça. Les travers de la prière, elle rasonne dans la main, remet dans le pâturage de Dieu, Dieu reprend contrôle de cette personne-là. Pendant ce matin, maintenant que ça va s'enlève, il finit, rentre dans sa place contre le diable, il amène les autres là. Dans une faiblesse, dans le monde, dans le plaisir, dans le divertissement, dans l'amusement, pour qu'un autre, il tourne les autres dans les autres. Maintenant, si les autres finissent, que le diable, normalement, il peut venger. Il peut venger parce qu'il fait, il rase sa lame là dans son lame, il retourne vers Dieu. Et maintenant, laisse-moi guetter les 12 symptômes de la prière de l'âme. Et comment nous connaissons, nous chrétiens,
Beaucoup de monde content. Beaucoup de monde content. Et nous, nous connaissons aussi, ben, serviteurs de Dieu de ça, l'église là, beaucoup de monde content. Quand nous montons ce moment-là, galoupé, vite, nous tchoumons des côtés là. Tellement content. Beaucoup d'autres contents. Et tout le flèche qu'on a envoyé, un petit flèche qui t'a été envoyé. Et vous comprenez tout clair là? Amen. Donc, ben là, personne quand nous dit en Dieu, pas gagné. Amen. Tant qu'on mord dans la vérité, dans la droiture, dans la justice, personne n'est pas content. Amen. Mais ce qui est important ce matin, une fois que Jésus-Christ est content, là, ça qui est important. L'important, c'est que Dieu est content. Nous l'appelons pour faire l'œuvre de Dieu pour ma bise à faire. Dieu nous donne l'évangile de vérité, bise à presse là, la vérité. Il y a même, on peut guetter le YouTube, un grand pasteur, une première division, un A plus d'un pasteur. On peut présenter ce skis le YouTube. Je ne peux pas dire ça, ça fait là. On regarde ça ce matin encore, il représente ce skis devant l'église, devant le peuple, devant le monde en entier, il présente ce skis. Parce qu'il fait, il camoufle la vérité. Il amène beaucoup l'église dans l'erreur. Et il connaît maintenant, il peut rentrer dans l'âme, il connaît les affaires n'a pas. Mais nous, même dans nos zènes, même pour une vieille bolon aussi, il presse la vérité pour qu'on t'y presse la vérité. Amen. Le diable, t'es content, t'es pas content. Quand arrive le moment pour craser ton la tête, au nom de Jésus-Christ, pour craser ton la tête. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Lisez peuple à bizarre ouvert. Amen. Peuple à bizarre connaître la vérité. Amen. Peuple à bizarre prendre la vérité. Amen. Peuple à bizarre connaître comment l'attaque peut venir et comment les vous défendre. Amen. Peuple de Dieu bizarre connaît. Maintenant, on va le guetter. Ça a 12 symptômes qui mossent ensemble avec la prière de l'âme. Et nous pouvons le guetter. Dans ça a 12 symptômes-là, on couple 1, 2, 3, 4. 4 dimensions, on couple. Premier qui saute, il attaque la santé. Deuxième qui saute, il attaque la joie chrétienne. Troisième qui saute, il attaque le ministère, la vie spirituelle. Et quatrième qui saute, il touille au ministère. Et même qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le ministère, beaucoup ils lèvent leur ministère pour quitter, pour aller. Et comment quitter? Nous avons quitté, premier symptôme, qui la prière de l'âme, quand il gagne, il met ses genoux en bas, il peut prier contre un chrétien, contre un intercesseur, contre un pasteur, contre un roi de l'éternel. Si tu ne fais rien, tu es innocent, il y en a que Esaïe 54, le verset 17, il dit bout pour toi. Attends-toi. Et là, sa promesse, sa parole-là, il dit bout pour toi, ça. Amen. Ni la prière de l'âme, ni non, il n'est pas capable pour toi. L'élève de sa parole est du pouvoir parce qu'il fait ton innocent. Mais si quelque part, il n'a pas la main là-dedans, tu fais qu'il y ait la souffert, nous guettons ce symptôme. Il y a des choses. Il est capable d'envoyer lui, mais seulement le Saint-Esprit révèle-toi, tu es capable de détecter lui, de libérer à travers la puissance de la prière. Amen. Il est capable de se flèche, il est capable d'atteindre, mais après il casse. Mais quand un qui sort, il reste, il est tini, c'est quand on a de la main dans sa question. Premier symptôme qui attaquait, c'est lourdeur à la tête. La tête lourde. Il prend l'autre, il prend l'autre. La tête lourde. Il n'y a pas gagné malade la tête. Il n'y a pas gagné sinusite. Il n'y a pas gagné la grippe. Il n'y a pas gagné rien. Les bois spirines, les bois panadol, paracétamol, tout mol qui est dans les bois. La tête là, lourd même. Et quand on commence à prier, briser, casser, l'infini de qui manière? Ah, le frère, ma tête est lésée. Tu n'as quoi dans ma tête? Premier symptôme, lourdeur à la tête. Deuxième symptôme, et nous pouvons trouver cinq qui sont là-dedans. Il attaque directement ou la santé. Il ne attaque ni ou l'eau, il ne attaque ou l'argent, il ne attaque ou finance, il ne attaque ou richesse, il ne attaque ou son matériel. Il attaque ou propre la vie ou la chair, il attaque ça la vie. Premier qui sort, deuxième qui sort, le douleur au cœur.
Beaucoup de monde a dit, frère, depuis hier, j'ai une douleur là. Il a checké, il a fait tout cas de traitement, il a checké. Docteur dit, tout est dépoussé. Ou l'équipe, je dis, c'est ou l'équipe, il a un problème, il bat bien, il peut pomper ce disant bien. Mais des fois, il y a une douleur faux là, faux, piqué parfois. C'est l'équipe. Attaque l'équipe, deuxième chose. Troisième chose, le picotement à l'estomac. Le brûlure de l'estomac. L'estomac est brûlé même. Bois d'aïe, bois yople, bois d'ile caillé, bois de l'eau polite. Peut boire même. L'estomac là, en dedans peut brûler. Qui se peut piquer. Qui se peut. Il y a cassou, il y a cassou. Il y a cassou les cœurs, il y a cassou la tête, il y a cassou l'estomac. Troisième petite chose. Quatrième petite chose. Il y a pas de la faiblesse. Vous êtes capable de bien pourtant. À un moment donné, vous pouvez trouver quelqu'un de faiblesse. Pour un oui, pour un non, vous êtes faible. La faiblesse, il y a menu de la faiblesse. Quel côté vous pouvez détruire après tout à l'heure, vous dire là. La faiblesse. Cinquième petite chose. Il y a menu dans le sommeil. Vous les goulous. Chaque minute, chaque moment où on vit dormir. Vous faites des trois ouvrages, vous allez les aider à l'école. Vous avez dormir. Vous faites des trois nettoyer, voici de 16, je vais être sommeil. Voici, tu vas te dire, vous avez utilisé mon cache-sommeil là. Vous avez dit, c'est la nuit de sommeil. La nuit de sommeil, il fait 8 mois de moins de cardiaque. Donc, il est lazy. Parce qu'il est bien craqué là. Cinquième, sixième chose. Il fait ouvrir cet esprit qui appelle la fatigue. Physique, les potaques seulement physique, les gros physiques. La fatigue. On travaille un chicken, oui, extra fatigue. Comment dire qu'on bat 5 pockets de ciment. On travaille comme un matin fit, 10 minutes de travail, on fatigue, on vit la case. Lendemain, on vit aller. 4 jours qu'on vous a mis, 4 jours 6. Zéte 4 jours 6, reste la case. Là où vous pouvez être la case, vous pouvez être là. Vous êtes quoi, tchaké, ou à tout. Disparaît, recouvrant le travail, comment ça se pour l'église? Elle fatigue. Je suis un peu fatigué, frère. Je là, je ne pas capable. Fatigué. Tu travailles? Non, pas trop travail, pas trop fait. Non, pas pourquoi vous êtes fatigué? La fatigue. Sixième petite chose. Septième petite chose. Septième symptôme. Le trouble. Troublé. Fait troublé. Qui peut troubler? Pas connaît. Qui peut gagner? Pas connaît. Qui arrive où? Pas connaît. Saint Dieu qui saute? Qui gagne Dieu qui saute? Non. Boulot de Dieu qui saute? Non. Boulot de Dieu qui saute? Non. Enfants de Dieu qui saute? Non. Qui peut gagner? Pas connaît. Peut gagner? Pas connaît. Troublé. Le trouble. Et quand le trouble est fini, les lèvres qui sont rentrées, les lèvres qui sont rentrées, le découragement. Maintenant, les rois qui sont bien faux. Troublé, le découragement est rentré. Le découragement quand il est rentré, l'air est tout ou triste. Chrétien triste. L'air est tout. Pourtant, il est bien gaillot, il est bien jovial, non, c'est jovial. Il est bien content pour ça, ou bien ça cause, ça frère. On connaît qu'il est bien, il est testé dans son tucouet, dans son lacat, dans son lassam. Il reste d'eau, il même les prend pour ton couvert. 32 degrés de olive couvert. Elle ouvrage, il n'y pas les faire, frère. Elle mange, il n'y pas les cuire. Elle l'achète, il n'y pas les laver, frère. Elle baille, il n'y pas les passer, frère. Il dit que l'air où j'ai il est fatigué, frère. Il n'y pas de faire non, il est fatigué, frère. Qui te gagne à l'homme découragé? Sans faire non, il est découragé. Tu peux comprendre, frère? Tu peux comprendre? C'est les symptômes. C'est la prière de l'âme. La tristesse, le découragement, la tristesse, et aussi maintenant la terminée, un petit saut qui peut être fatigué. Ou envie de aller, pas pour sortir. Là, le nausée. Ou envie de vomir. Ou gagne vomir. Ou envie de vomir. Mais il ne pas sortir. La lame fait la tête là, il est plus lourd.
l'estomac la plus piqué, l'estomac la plus fait mal. Ou reste kaya kaya. Puis on veut quitter de manger. Le cartelé, vraiment non. Qui te tu bois? Le cartelé, mais non, moi je bois. Il y a gaz? Non, il y a pas de manger, très bon, il y a pas de manger. Puis on veut rendre. Mais seulement, non, il n'y a pas de chose. Il n'est pas pour rendre. Il est pour fatiguer ça, l'estomac là. Il est pour fatiguer. Et vous pouvez dire pour qui raison tout ça la carrière. Il vous fatigue toi, puis environ, il y a gaz, non pas la gaz. Tu as mangé tort? Non pas manger tort. Mais qui bien, pas qu'on ait envie de vomir, mais seulement pour être capable de vomir. Je vous dis, pour te un peu nausée, vous êtes-il. Tu as envie de vomir, mais il ne va plus sortir. C'est ma symptôme ça. Après maintenant, l'homme vient le prochain. Quand il finit fatigue pour l'estomac, il nous la fatigue, il nous trouble, dans nous sommeil, dans nous faiblesse, puis quand on a l'estomac, il nous douleur et la tête lourde, là il y a une détérioration dans la vie de prière. On n'a pas de capable. Il attaque ou il affaiblit ou, en l'autre mot, ou tu es un chrétien bouillant, il désarme bout par bout. L'intézamou, ou n'est plus en main, ou n'est plus capable de prier, ou n'est plus capable de djibout d'un réunion de prière. Ou quand tu assises là, tout peut prier, mais ou pas capable. Pas plus capable, frère, on veut beau prier, ou pas plus capable, on peut connaître qui bloque moi, frère. On peut connaître qui fait, on pas capable de prier. Même la case, frère, on peut pas se séguer télévision et le temps. Mais prier 5 minutes, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, mais je ne suis pas capable. Une détérioration dans la vie de prière. Et douzième chose, l'abandon total du ministère. Là, quoi que vous chrétien, si vous êtes dans le ministère, il commence à détasser. Voilà le thème là. Il commence à sauver. C'est comment qu'il quitte sa responsabilité. Il commence là où son responsable qui est là. Frère, vous ne connaissez pas bien, frère, vous connaissez la star, frère, il commence à détasser en son ministère. Mais là, son ministère. Deuxième, il finit paralysé. Qui est paralysé? Il paralyse sur la santé. Et il finit perdre ça, la joie de vivre là. On est dans des vies en tant qu'enfant. Troisième, il finit perdre sur la vie spirituelle. Quatrième, il finit son ministère à travers la prière de l'âme. Maintenant, elle la prière de l'âme. Comment vous avez détruit elle la prière de l'âme? Comment vous avez cassé elle la prière de l'âme? Comment vous avez sorti dans la prière de l'âme? Et la dernière chose, c'est ce qui est important tout chrétien quand il rentre dans la prière. Première petite chose qu'il vient commencer dans sa situation qui était là. Commence réclame le sang de Jésus-Christ. Amen. Le sang le plus fatal qui est capable d'exister pour les diables. Amen. Réclame le sang de Jésus-Christ. Si tu es conscient maintenant qu'il te fait errer contre quiconque, c'est que la Bible est pour Dieu et puis de Paul au Corinthien, pourquoi il dit ça, sauf errer. Avant qu'il te mette la dîme et l'offrande, avant de mettre la dîme, c'est de la qui chose contre qui gagne. Allez, réconcilie-toi d'abord. Après, tu viens te mettre la tête. Amen. Première qui chose, réclame le sang de Jésus-Christ. Deuxième qui chose, te répandis, te réconcilie avec ça qui chose de me faire. Et troisième qui chose, tu vas prendre l'autorité, notre autorité. Prends l'autorité, brisée, cassée. La Bible dit que tout ce qui te délie de la terre est délié dans le ciel. Cassé, brisé, renoncé, refuse-le. Maladie de la tête, lourdeur de la tête, tout pas vigne de Dieu, la maladie pas vigne de Dieu. Peine non y'a qui la science, peine non y'a pour le concernant médicament ou la médecine. Là, la Bible, Dieu donne notre discernement, discerner. Maintenant, vous connaissez, c'est la prière de l'âme. Moi, prends l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Moi, ordonne-toi qu'il te quitte ça la tête là, à l'instant même, au nom de Jésus-Christ, de sortir de ça la tête. Amen.
Amen. Et moi briser, moi casse ça la peine de là. Moi détruire, ça la peine de des lames qui fait devant un idole. Devant vraiment un hôtel. Seigneur, là quand il servit mon nom, loin de l'hôtel, il servit mon nom, il fait la prière de l'âme, m'a cassé, m'a brisé, m'a détruit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, parce que Dieu ne peine non rien, ni la prière de l'âme, ni la prière, etc. Pas pour capable de toucher moi et pas capable de m'aider. Amen. L'être servi, Esaïe 57, 54, verset 17, de servir de vivre la parole de Esaïe. Brisé, cassé. Parce que nous pouvons vivre dans les temps que le monde peut venir beaucoup mauvais. Heureusement, cette église est peine en lit, mais énorme, même l'église chrétienne en cochonnaise. Mais nous dédions les chrétiens. Sur l'habitude, pas de changer, sur façon de faire, pas de changer. Sur rancunier, pas de changer. Sur God rancune, God line, et quoi donc ou donc, pas de changer. Et chrétien qui est vraiment énorme au-dedans de lui, lui peine à sa pardon, lui qui dit non pardon. Vous n'avez pas pardonné jamais. Sur la prière n'a pas bloqué sa main. Un léguer qui n'a pas pardonné, nous la prière, même la Bible dit, lui est une abomination divine de Dieu. Quand nous la prière, est une abomination divine de Dieu, mais là, le diable, il prend ça la prière là. Il prend la prière là, lui fait fracas dans la vie de Dieu. Oh donc ce matin, c'est ça que nous trouve le fracas qui la langue lui fait. La langue pénale les os. Mais chrétien nous dit, connais qui peut causer. Connais qui peut dire. Lorsqu'il s'agit d'une petite chose, vous devez atteindre en place. Atteindre en place. Amen. Vous devez une chose que vous éviter. Éviter en place. Amen. Une petite chose que vous devez tous les deux aller. Tous les deux aller. Allez. Amen. Évite pour faire l'ennemi, évite pour créer la guerre charnelle. Amen. Vous entendez ce matin, l'église? Amen, amen, amen. Évite pour créer ben, la guerre charnelle. Querelle, dispute, animosité. Tout ça, ben, qui sont là, Dieu dit, tout ça, ben, qui est là, n'a pas de place dans le royaume de Dieu. Pénant. Ben, qui est là, critiquer. Vous voulez critiquer, il y a un péché, ça? Vous voyez la malédiction, ça? Tu as apprécié l'eau là? Et tout ça, pour qui est venu? C'est pas là. Et quand on fait lui, attends qu'il prenne la conséquence. Si on peut faire lui, attends qu'il prenne la conséquence. Parce que c'est dit, moi là, innocent, on trahit lui. On peut dire, on peut dire les autres. On peut dire les autres, mais on peut adresser cela. Amen, amen, amen. Pas trahir du monde, pas vanner du monde, pas causer du monde. N'a pas créé la guerre d'une famille en Djimoun, n'a pas créé des autres d'une famille en Djimoun, n'a pas cassé un foyer en Djimoun, n'a pas fait le mal, n'a pas fait le mal. Dieu, il appelle nous, mais nous, on ne fait pas peur pour faire quelque chose pour bon Dieu son nom libre. Glorifié. Glorifié. Laisse-moi nous déboucher. Alléluia. La souffrance de Jésus-Christ sur la croix est quelque chose de difficile pour comprendre. Ce ben camarade fin trahir li, ben a fin arrête li et condamné à mort alors qu'il était innocent. Ben a fin bat li et l'ing un coup de fouet. Un couronne d'épines l'eau sur la tête, l'ing soye sur la croix avec douleur jusqu'à Golgotha. Pendant toute longue ce trajet, Dimoun tipe bat li, maltraite li, crache l'eau li. Mais Jésus pan rigode en arrière. Au contraire, l'ing continue, avancer. Jésus est capable d'éviter la croix, faire du fait tomber depuis dans le ciel, ou ça ordonne ce banange vient s'écouler. Mais Jésus n'est pas si intéressé pour sauver lui-même, mais il peut faire tout ça là pour sauver toi. Chaque détail de Jésus sur le sacrifice qui forme partie du plan parfait de Dieu pour approche-toi de lui. Si auditeurs n'écoutent ce message-là, connais que Dieu compte en toi, tu n'as valeur pour lui. Il a un plan merveilleux pour toi. Dis, répète ça la prière là avec moi. Fais-le de tout le cœur. Dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Comment m'a été? Pardonne-moi mon bonne faute. Pardonne-moi mon bonne erreur. À partir d'aujourd'hui, me reconnaître que tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es venu la terre. Tu donnes la vie pour moi, l'eau la croix. M'accepter toi. Comme Seigneur et mon Sauveur personnel, viens habiter dans mon cœur.
me faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, chaque seconde de ma vie n'appartiendra à toi. À partir d'aujourd'hui et pour l'éternité, me reconnaître que mon enfant bon Dieu. Me dire ta merci Jésus, te compte en moi. Merci Papa et merci Saint-Esprit. Alléluia, me donne-toi toute chaque partie de moi-même. C'est une fière la prière de toute l'équipe. Nous avons envie de prier pour toi. Viens jeune avec nous. L'église City Church, Glen Park, Vaqua. Ou sinon, trouve une église qui est plus près de chez toi, que tu es capable de prier pour toi, encadrer toi et montrer toi l'amour de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus. À bientôt.